Ouais, un autre beau poisson, j'adore l'attitude qu'il a. Avec la bouche qui s'ouvre un tout petit peu là en s'approchant de la surface, en mode curiosité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça se mange? Ah vas-y, lui je le tente. Tant pis, il est un tout petit peu plus petit. Oh p***. Branche de p*** qui m'a fait louper le ferrage. Ah, là il y a un poisson de taille moyenne. Bon, allez, ça se tente. Il y est. Ouais. Attention aux herbes. Voilà. Hop là. Ah, la berge est un poil haute. Je vais pas pouvoir mouiller la main. Ah non, je peux pas. C'est dommage. Voilà, beau petit chevesne. Hop. Par la ceinture scapulaire, voilà, ceinture scapulaire pelvienne, on le tient vraiment bien, j'espère que vous l'avez bien, et hop, peut-être la première dans la flotte, voilà, comme ça, il repart vite. Yeah! Yes! Génial! Un joli lancer à l'aveugle, mais par contre, bah, je savais qu'il y avait du poisson dans cette zone, quoi. Et donc voilà. Ah, je suis content, j'étais concentré, je parlais pas trop. Oula, il y a de la vase. J'étais concentré, je parlais pas trop. Ah, le poisson est plus petit que je le pensais, mais bon, c'est pas grave. C'est déjà ça, la journée est un peu compliquée là. Hop! Viens là, coco! Attention à la vase, je vais te poser 2 secondes dans l'air mouillé. Hop, le temps de te récupérer. Et voilà, hop, je l'ai rincé un petit peu parce qu'il était plein de vase. Un joli, c'est un petit poisson, hein, il fait quoi? Hop, il fait entre 30 et 35. Mais c'est toujours sympa. Hop, alors il est piqué au bord, c'est bien. Alors il est piqué dans le dur de la mâchoire par contre là. On va y aller à demain. Faire les choses proprement. Voilà, un beau poisson. Hop, je vais le remettre droit et puis il va partir tranquillou. Voilà. Impeccable. Bon bah c'est cool. Allez, oh oh. J'ai loupé un poisson tout au fond là-bas au ferrage. Bon, ça devait être tout petit en fait. Et il y en a un deuxième qui est venu à la tombée, enfin après le ferrage du coup. Et je vois qu'il y a une petite perche en dessous. Je vais pouvoir tenter de faire des perches au crankbait par là. Alors, hop. Voilà. J'ai droppé le poisson. Bon, c'est pas très gros, hein. C'est un petit chevesne. Hop, ça fait 25. Voilà, un tout petit peu plus de 25. Il a bien pris le leurre, celui-là, il en voulait. Alors. Ouais, il remue dans tous les sens, celui-là, il est bien vigoureux. Hop, voilà, vous l'avez vu.
pif, je laisse tomber. J'ai pas envie de le serrer, après je vais lui faire mal, c'est pas terrible. C'est un petit poisson, c'est pas grave. C'est pas ce qui nous intéresse. Enfin, c'est toujours marrant, hein, mais on se comprend. On préfère un poisson de 40. Là, c'est plus gros. Génial, je savais qu'il y en avait des gros par là. Faut que je me dépêche pour pas qu'il aille dans les branches à ma droite. Il y va. Oh là là. Je tire tout doucement pour faire venir le poisson. Ouais, il est là. Oh, il est beaucoup plus beau. C'est génial. Yes, là on a un gros poisson. Ouais, génial, il a une tête énorme. Ah, je suis super content. Bah celui-là, je vais vous le filmer, je vais filmer le no-kill sous l'eau. Alors la grande question, ça va être comment je vais faire pour le dropper. Voilà, je vais desserrer légèrement mon frein. Hop, pour éviter de faire une connerie. Ok, alors. Alors, mon pépère. Tu vas venir tout doucement par là. Donc, quand vous avez besoin de dropper un poisson comme ça qui est trop gros, surtout pensez à ouvrir votre pick-up dès que vous posez votre canne. Parce que si le poisson retombe à l'eau, faut que le fil... Oui! Yes, faut que le fil puisse sortir sans que... sans risquer de faire partir la canne à la flotte. Donc je le pose sur le pont est mouillé, vous inquiétez pas. C'est un très joli poisson. Là on est sur un poisson qui fait... on est sur un poisson de 50. Voilà, un tout petit peu plus de 50, quelque chose comme ça. Hop là, voilà. Voilà, là on a un beau poisson là. Ça fait plaisir après une journée de galère. Incroyable, j'espère que vous le voyez bien. Magnifique. Dis bonjour à la caméra. Putain, toi t'es filmé en HD, t'as de la chance, hein. Voilà, génial. Ah, j'espère que vous le voyez bien, j'espère que c'est bien cadré. Oh bah il est reparti sans demander son reste. Voilà, comme ça. Il est là-bas, il se balade, punaise. Je voulais vous le filmer sous l'eau et tout, faire ça propre. Ah, je suis dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Au moins, il était bien vigoureux, celui-là. Oh bah il est reparti sans demander son reste. Voilà, comme ça.